Popularisé en Occident par les mangas et les animés, l'uniforme scolaire est un des symboles les plus connus de la culture japonaise. Ce qui peut nous apparaître comme une coutume un peu étrange n'est pas sans importance, car le design d'un uniforme peut pousser les élèves à choisir un lycée plutôt qu'un autre. Par ailleurs, porter les couleurs d'un établissement renommé est un signe de prestige. Intéressons-nous plus en détail à ces tenues. Chez les filles, c'est jupe plissée et marinière, dont la couleur du col peut indiquer la classe ou l'établissement scolaire fréquenté. Chez les garçons, c'est veste à col droit boutonné jusqu'en haut et pantalon uni, bleu marine ou noir. Du sérieux donc, voire même de l'austère, qui font que les étudiants peuvent porter leur tenue scolaire lors des cérémonies funéraires. Mais saviez-vous que le côté très strict des uniformes est souvent détourné par les adolescents ? Jupes raccourcies ou extra longues et chaussettes d'un mètre de long permettent aux filles de se distinguer quand les garçons portent leurs pantalons façon baggy ou épinglent des badges au revers de leur veste. Et si les boutons des étudiants sont le plus souvent décorés du blason de leur école pour marquer leur appartenance à ladite école, le second en partant du haut est souvent offert par les garçons à leur petite amie à la fin de la période d'examen, en gage d'amour. Pourquoi celui-là et pas un autre ? Tout simplement parce qu'il est placé près du cœur et qu'il représente toutes les émotions vécues par l'étudiant pendant sa scolarité. Ok, ce n'est pas le plus étonnant. Les uniformes des collégiens et des lycéens japonais ont une origine militaire. Le Sailor Fuku des filles s'inspire de la tenue des marins britanniques, tandis que le Gakulan des garçons trouve son modèle chez les soldats prussiens du 19e siècle. Ses origines européennes expliquent ainsi l'étymologie du mot Gakulan, Gaku désignant un étudiant, et Lan signifiant Hollande, le pays. Qui n'était pas si loin de la Prusse que ça, on va pas chipoter. Le côté belliqueux de la chose étant de moins en moins populaire, l'uniforme traditionnel tend à disparaître au profit de tenues plus prépies, inspirées par celles portées par les écoliers britanniques. C'est presque dommage, ça avait l'air sympa les Battle Royale.